what's up, dans le fond, je m'en allais taponner sur le shell, essayer de faire disparaître cette merde. Mais j'ai texté Alex, j'ai demandé si ça tentait de faire ma tie-rod genre un soir cette semaine, puis il m'a dit direct à soir. Fait que là, c'est comme dans 2 heures à peu près. 3 heures? Ouais, 3 heures, excusez. Fait que peut-être pas le goût de commencer ça. Là, tu sais, le shell, j'ai pas le goût de faire ça sur 3 jours. Là, je veux commencer, finir la même journée. Fait que je ferai ça plus tard cette semaine. De toute façon, j'étais en congé toute la semaine encore. C'est comme si j'avais d'autres vacances, mais pas payé. J'étais en congé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je travaille juste en fin de semaine. Fait que. Ouais, je vais aller chercher. J'ai déjà la tie-rod de pété. C'est à côté droite. Fait que j'ai déjà la côté droite, mais je vais aller chercher une côté gauche. Tant qu'elle a changé, on va changer les deux parce que j'ai déjà changé les bas-joints. Fait que bas-joint tie-rod, ça va être neuf. Sur le char de turbo, ça va être cool. Fait que avant ça, par exemple, je vais aller installer un antidémarreur sur le EG parce que je tannais à tous les soirs. J'ève le hood, je déplogue la batterie, je déplogue le starter. Puis là, ben, à chaque matin, ben, faut que je me prévois d'avance. Puis là, je replogue la batterie, je replogue le starter. Puis ben, c'est ben, ben fatiguant. Vive les antidémarreurs. Petite raide de EG pour aller chercher des pièces. Oh my god, bon après vous autres, là, vous pouvez pas le sentir là, dans la vidéo, là, mais la 2, là, quand tu rentres ça, là, la cloche, la décloche en tabarnak, là, c'est genre what the hell? Je sais pas, pour un char pas turbo, là, pour vrai, ça m'étonne. Là. J'ai jamais eu une bonne cloche de même. J'ai pas de misère à croire que c'est une cloche d'âge 1 ou 2, là, mais j'ai la misère à croire qu'il y a des cams. Mais en même temps, il est allumé le char, mais c'est peut-être juste un bêtisier dans la forme. Là. Ça veut pas dire qu'il y a des cams pour autant. Là, ça coûte cher des cams. Ce serait étonnant là, qu'il ait fait ça pour vrai. Là. On va changer les tie-rods de char. Pichou! Lambourdo, motherfucker. Puis maintenant, on attend. Puis dans 10 minutes, je vais pouvoir m'en aller. Parce que de toute façon, en attendant, Alex travaille, il finit juste à 5h, puis genre à peu près sur 5h, il va dire 5h30, 6h. Fait que c'est ça. Je vous laisse deviner ce que je m'en vais faire. J'ai checké l'huile, le gaz, c'est chill, il reste juste à le partir. Je mets la GoPro, puis let's go.
pogné un flap. Ah, il y a quand tu marches, en tout cas, je te dis. Quelle vitesse de mettre automatique. Tu m'en vas, là. Hop, hop, hop. La 4, elle lève pas, mais. Je te dis, là, c'est genre. La 1, t'as décroché pas à 3000 tours, mettons, là. 1000 tours, tu sais. Là, tu peines la 2, pouf, la 2, pouf, la 3. La 4, correct. Et gars, ici, je l'ai poussé jusqu'ici. Parce qu'à la fin, je suis tombé sur le flat. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être plus loin que ça encore, là. Parce que, en tout cas, j'étais rendu à moitié chemin entre le plus loin que j'ai été et ici. Quand j'ai tombé sur le flat, même peut-être un peu plus que la moitié chemin. Fait que c'était pas si pire que ça. Puis, ouais, la dernière fois, ils m'ont fait en intérieur. Là, il est 6h25. Alex m'a dit d'être là pour 7h et non 5h30, 6h. Là, finalement, il m'a texté pour me dire ça. Fait que. Partir dans 20 minutes à peu près. Pour aller changer la tie rod ou les tie rod, là, au moins une qui est finie, là, l'autre est pas finie, mais au moins si je la change, je vais pouvoir dire que les deux barres jointes, deux tie rods sont neuves, puis les deux barres jointes du haut, ben, étaient corrects, là. Fait que. Au pire, je vais me ramasser les tables ajustables, puis je vais mettre ça là. Fait que comme ça, ça va régler mon problème de barres jointes pas neufs, même s'ils sont pas finis. Puis en plus, je vais avoir des belles tables, puis je vais pouvoir mettre ça camber en colombe. En même temps, je sais plus trop quoi faire, là, depuis que j'ai le jeu, là, je suis comme. J'ai le goût de mettre des pièces sur le cas. J'ai le goût que le jet soit aussi cool que le cas, mais en même temps, il est déjà pas mal monté, fait que, manque juste le turbo, puis une transmission OCR, mettons, puis peut-être une tête, dépendamment si j'ai des cams ou pas, puis c'est ça, là, puis le refaire un petit peu ça à ma façon, peut-être, pas un tapis de super, je sais que ça existe probablement pas, mais tu sais, peut-être y mettre bumper stock, des lips, ou peut-être pas, au moins y mettre des bancs, avec des ceintures de course, peut-être, ou tu sais, il y a déjà un volant, il y a déjà un cluster, je suis pas trop là, j'aimerais ça le personnaliser un peu plus, là, mais, on verra bien. Yo, what's up? On est présentement dans le Civic Turbo Char que j'ai pas pris depuis un certain bout de temps. Fait que j'ai hâte de voir. Ok, cool. Fait que je vais le laisser réchauffer un petit peu, puis je m'en vais au garage changer les tie rods. Ou en tout cas, probablement que ça va être Alex qui va changer mes tie rods là. Fait que. Ouais. Alex m'avait dit genre ouais, vers 7h finalement, puis là j'étais comme parce qu'il est comme rendu 7h24 là. Fait que là j'avais hâte de partir, mais là il m'a dit ah j'arrive bientôt, fait qu'il est même pas chez eux, j'étais comme moi aussi j'arrive bientôt. J'suis toujours à part. Peu importe ce que je veux faire là, j'arrive jamais à l'heure. Je me dis ah fin, je suis là à 7h, puis là à 7h je pars, tu sais, puis comme là il est 7h30 puis j'ai même pas parti, tu sais genre. Ah là 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 là. Ah, c'était fucking esti comparé au G là. Le G là, mettons, tu clutches au fond. Tu déclutches juste ça là, pis tard, il pogne tout de suite. Là, j'étais comme. Hein? Ah, ok, pis le volant, esti. No joke là, j'ai l'impression de chauffer de même. Mais un gros bateau, man. J'étais genre, le volant du EG est gros de même, pis là, c'était volant est gros de même, fait que j'en donne l'impression que je suis gros de même. En tout cas, c'est fucké. Ah, il était rouge tantôt là. C'est à tout prix là pour qu'il déjambe, puis même encore là. Là. Damn it. Bon, fait que ça c'est fait. Merci à Alex pour ça. Puis il va rester matin avec une belle affaire, puis après ça, je vais pouvoir le pat à côté à sa mère. En espérant de faire un meilleur qui 14-17. Mais en même temps, ça se pourrait que j'aille aussi avec le EG Rice parce que je veux voir son temps. Fait que je l'ai pas fait la semaine passée, il y avait trop de monde. Fait que on va s'en aller bien tranquille à la maison parce que je veux pas péter la Tamek Belt. Sinon, j'aurais pas été tranquille parce qu'on a checké des vidéos de Civic qui marchaient. Puis j'étais comme ah, mais il marchait tout que mon, plus que mon Civic. Là. Déridé turbo, pas une bonne idée. J'ai mis le mettre un série B turbo. Le monde me disait ça, puis j'étais comme, on s'en fout, c'est turbo, mais c'est vrai.
série B turbo. Un série B, ça tire quasiment autant. Mettons un B VTEC, ça tire quasiment autant qu'un D turbo. Fait que. Mais, si t'as un D turbo, tout ce qui te reste à faire, c'est de trouver un headers de série B. Pin tune. Puis tu mets ton kit turbo sur un B. En espérant que t'aies un B. Sûrement que l'été prochain, je vais construire mon setup turbo série B là, dans le EG peut-être bien ou. En tout cas, sinon dans le cas là, si je change de shell. Là, je pense pas changer de shell, mais si je prends une inspection, je vais changer de shell. Puis tant qu'à remonter un char propre, ben je vais mettre le B dedans. Puis au pire le G, je vais mettre le D turbo, genre. Fait que je sais pas, on va checker là, mais. Je vais avoir un B puis un D turbo dans un EG puis dans un cas, je sais pas quel qui va être dans lequel encore, mais. Ça reste d'être cool l'été prochain.